peut faire tous les sports de glisse ici, dès qu'avec le vent qu'il y a, c'est super, on peut choisir chaque jour en fonction de ses envies. Le vent, il s'appelle la tramontane, il souffle de la terre vers la mer, donc il pousse vers le large, ça peut parfois être un peu dangereux d'ailleurs. C'est un vent qui va être assez rafaleux, assez technique. En kitesurf, il y a plusieurs disciplines et celle que je pratique moi, c'est le freestyle. Donc ça englobe tout ce qui est figure, donc ça va être tout ce qui est tous les sauts, toutes les rotations. On peut aussi enlever la planche, la remettre. C'est celle qui génère le plus d'adrénaline. On va avoir le plus de sensations fortes quand on pose une figure ou quand on en pose une nouvelle. Le freestyle, c'est souvent la discipline la plus visuelle dans le kitesurf parce que c'est très aérien et très, très beau. De plus en plus maintenant, on voit l'apparition du foil. C'est cet aileron qui est sous la planche et qui nous permet de glisser sans frottement et de naviguer avec beaucoup moins de vent. Donc le foil, on peut en pratiquer sur tous les supports, kitesurf, planche à voile et maintenant la wing. Donc la wing, c'est cette voile qui est rattachée à rien et on s'en sert justement avec un foil. Joie de pouvoir être en plein air comme ça, de jouer avec les éléments, d'avoir cette liberté de pouvoir juste naviguer, se balader ou sauter ou faire des figures, enlever la planche. Dès que je lève mon aile, je me dis ah, c'est génial quoi.